des préadolescentes aux femmes plus matures. C'est est enraciné dans nos têtes depuis l'adolescence, et chaque femme en a probablement un tiroir plein. Cependant, de nouvelles découvertes prouvent que même les scientifiques de nouvelles recherches importantes ont révélé que le port excessif pour des raisons de temps, cela pourrait être la raison la plus évidente, même si tu as seule l'impression que les maladies de ces maladies causent des douleurs extrêmes et personne ne devrait avoir à prendre le risque de subir le traumatisme de les développer juste pour le simple fait de porter un soutien-gorge. Selon le docteur Gregory Hay, 90 femmes peuvent découvrir de grandes améliorations. Ces recherches montrent également qu'il existe un lien entre les dommages causés par le drainage lymphatique. Franquès, mené par le professeur Jean-Denis Rouillon, a observé les changements mammaires en mesure en 330 femmes ages de 18 à 35 ans sur une période de 15 ans. Les recherches de Rouillon ont montré que celles de ces résultats nous aident à comprendre que le port des soutiens-gorge n'a aucun avantage pour notre santé médicale, physico-anatomique et elle n'aide pas nos seins à défier la gravité. En fait, il se peut que nous ayons maintenant des preuves qui montrent que les soutiens-gorge ont l'effet contraire que nous croyons qu'ils ont. La même étude affirme que les femmes qui ont choisi d'éviter de porter des soutiens-gorge cherchent une excuse pour te débarrasser de si tu songes à éviter le vêtement à temps. Accueil actualité en direct soutien-gorge.